Toujours à côté de nous, Cédric Barret à la réalisation également. Et on va rien d'autre à dire qu'on va patienter avant de retrouver les acteurs de ce match. On reprend l'antenne dans quelques instants. À tout de suite.
Bonjour à tous. Voilà, on vient avec quelques nouvelles ici depuis les tribunes, des informations qui nous viennent eh bien, des vestiaires. Il y a eu une réunion de crise qui s'est tenue eh bien, aux abords des vestiaires des deux équipes en compagnie eh bien, des forces de l'ordre, en compagnie des dirigeants lensois et lillois, en compagnie eh bien, des délégués de cette rencontre. Alors la rencontre, et ça tant mieux, va reprendre. Quand exactement eh bien, on va assister à un nouvel échauffement, parce que voilà, ça fait maintenant plus d'une demi-heure que le match a été... voilà, il y a eu la mi-temps, que le match a été interrompu. Donc un échauffement qui va durer, alors on ne sait pas exactement combien de temps. En tous les cas, en ce qui concerne les Lillois, les préparateurs physiques, ils sont en train de mettre en place un échauffement, parce que voilà, ça fait trop de temps. Mais voilà, l'information principale, c'est que le match va reprendre. Et si malheureusement il y a un autre incident, eh bien, il sera arrêté définitivement. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire. Donc on vous donne rendez-vous pour la suite de ce derby dans quelques instants. Restez avec nous, bien entendu. À tout de suite pour du foot.
Le retour du football sur RCL Live. Merci d'être en notre compagnie après cette trop longue mi-temps suite aux quelques échauffourées entre supporters lillois provocateurs et malheureusement des Lensois qui ont répondu. On va faire abstraction de tout ça, même si c'est difficile, hein, Didier. On va se reconcentrer sur le foot parce que c'est ce qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui avec ce derby. Alors compliqué pour les joueurs qui sont revenus sur la pelouse après pas loin de 45 minutes d'interruption. Justement, là, Didier, quand on est joueur, qu'il se passe des choses comme ça, alors eux n'étaient pas au courant, n'ont pas trouvé, enfin ils ont été mis au courant, mais l'important c'est de rester dans le match, rester focus, concentré comme on dit. C'est très normal, bon, surtout qu'ils ont été arrêtés, comme tu dis, 45 minutes, c'est énorme. Donc il faut qu'ils se remettent dans le coup, il faut qu'ils refassent un petit échauffement, enfin même un gros échauffement avant de pouvoir repartir. Parce que là, il doit y avoir des tensions, ça commence à... ils doivent se faire masser, ils doivent se faire... Enfin, il y a vraiment toute une préparation à refaire pour reprendre le match. Et on va voir, hein, le coup d'envoi sera donné dans quelques instants. Alors tout le monde doit se réchauffer, on a vu les arbitres aussi pendant la mi-temps. On ne va pas appeler ça une mi-temps, mais pendant cette interruption, il y a eu une réunion de crise entre les dirigeants, entre les délégués, entre les forces de l'ordre pour voir si toutes les conditions sont réunies. En tous les cas, une chose est sûre, c'est si jamais il y a un nouveau débordement, et bien malheureusement la rencontre sera définitivement arrêtée. Et après il y aura une instruction, tout ça. En tous les cas, c'était des images un peu pénibles à voir. On va espérer voir du foot et on va espérer et voir les Lensois reprendre le fil des choses de la meilleure des manières avec, on l'espère, hein, cette première victoire qui nous fuit depuis maintenant 15 ans. Pas évident pour Lilian Alice et Franquès qu'on voit à l'image pour discuter, insuffler des solutions, insuffler une énergie. On en parlait tout à l'heure. Là, concrètement, toute l'adrénaline est quand même retombée. Il va falloir se remettre dedans et les premières minutes vont être très importantes. Je pense que ça va redémarrer un peu malheureusement, un peu diesel, un peu ralenti. Parce que j'ai pas vu un gros échauffement non plus de reprise, donc on va voir dans quel état sont les joueurs. En tout cas, c'est reparti pour 45 minutes. On espère voir 45 minutes de football. Attention, Jonathan Grady qui glisse le ballon. Et il reste au sol. Apparemment, il a pris un coup. Alors déjà à Bordeaux, il avait pris un bon coup dans le nez. On voit ça, c'est Bourakimas qui est allé à main en avant et qui lui a bien découpé le visage. C'est volontaire ou involontaire, c'est compliqué à dire, en tous les cas dans le feu de l'action. Ils avaient déjà eu une petite altercation en première mi-temps. Hein, voilà, donc il n'y a peut-être pas de hasard. Ouais. En tous les cas, il y en a pris une bonne, mais le natif de Gironde est costaud, il est robuste, et puis on va pouvoir reprendre le cours de jeu, mais c'est vrai qu'on a la chance de voir le ralenti. Et il a pris un... pas un hypercute, mais il en a pris une belle. Voilà. Le ballon sera bientôt rendu par les Lillois pour Jean-Louis Leca. Voilà, tant mieux. Au moins, ça fait preuve de fair play. Ça aurait été. Heureusement. Ouais, parce que alors, ça aurait mis le feu aux poudres. C'est ça. Allez, on attend que Jonathan Grady puisse revenir. Et nous aussi, hein, Didier, on va devoir se remettre dedans. Parce que c'est vrai qu'on était spectateurs, on a eu des informations par le service communication du Racing, des informations qui nous venaient du vestiaire. Allez, Facundo Medina qui gagne son premier duel. Allez, le ballon toujours dans les airs. Et finalement, Jonathan Grady, la balle au pied, qui remonte le terrain et trouve Arnaud Kalimuendo qui rate son contrôle. Voilà. Quand on dit se remettre dedans, c'est ça. On n'est pas encore complètement chaud, il y a les petites courbatures, on a été arrêté 45 minutes dans le vestiaire, bon c'est pas évident. Tout le travail, hein, des préparateurs physiques, des kinés, tout le staff médical pour décontracter un peu tous les muscles, pour remettre tout le monde pied au plancher. C'est qu'un Botman a noté un pas de changement de part et d'autre. Attention, ce ballon qui va filer avec Gomez qui ne le prend pas, ce sera une touche. Un moindre mal, ça va peut-être un corner. Juste devant les supporters de Lillois.
Renildo pour la touche. Avec, comme on disait tout à l'heure, le jeu de corps de Yilmaz. Avec Galkakut à la remise et le long ballon pour donner un petit peu d'air au Lensois. Ça va permettre au Sanyeur de remonter sur le terrain. Ressortir. Et de ressortir. Ouais. José Fonte. Botman. Fonte à nouveau. Pour Selic, le long. Avec Jonathan David. Frankowski au duel face aux Canadiens. Attention, Facundo Medina qui s'est fait un petit peu embarquer par Ikoné. Le ballon toujours dans les pieds du milieu offensif du LOSC. Allez, Facundo. Voilà, c'est fait par-dessus. Le duel, on va dire, un duel gagné par Kalimundo. Non, finalement, le ballon est touché par l'attaque complétée par le Paris Saint-Germain. Et tout à l'heure qui fait son retour. Il avait déjà joué 67 minutes à Bordeaux. Un petit quart d'heure pour se mettre en route et après une prestation honorable de la part de l'attaquant Lensois qui fait sa deuxième titularisation. Kakuta pour Kalimundo, justement. Kalimundo face au jeu. Kalimundo qui derrière lui Seca. Kalimundo qui conserve le ballon. Il y a peut-être une ouverture là. Sotoka qui va pouvoir enchaîner. Petit pont. Sotoka le centre. C'est pas terminé. Gaël Kakuta dans la surface de réparation. Et Gaël qui va aller provoquer le centre fort. Et Kalimundo qui était pas loin de couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau. Et apparemment, il y a eu un contact entre. Je pense qu'il a été contré au moment où il a dégagé le ballon en touche. Je pense que. On va voir ça. Il a mis son pied en opposition, il a frappé, on va voir. Hop, voilà. Ouais, voilà. Le pied sur la cheville. Ouais. Bel et bien faute d'Arnaud Kalimundo qui s'excuse. Ça va... C'est involontaire. Ouais, c'est involontaire, on va dire qu'il a attaqué le ballon. Ouais. Alors oui, c'est, on le dit toujours, hein, c'est pas un sport de combat le foot, mais c'est un sport de contact, hein, finalement. Exactement, bien sûr. Et quand on parle de contact, tu m'en voudras pas Didier, mais je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. J'étais défenseur, donc j'étais un peu obligé par moment, tu vois. On l'a noté, hein, on l'a dit, je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais on en a discuté, la victoire des anciens. du Racing Club de Lens face aux Lillois ce matin. C'était à Vingles lors de l'inauguration du terrain du regretté Daniel Leclerc. Ouais. Avec, m'a-t-on dit, un petit peu de monde. Un peu de monde. Et un but de Daniel Moreira notamment. Oui. Attention à cette relance imprécise de Medina, heureusement. On voit en début de deuxième mi-temps, là, il y a beaucoup de mauvais espace, de mauvais contrôle. Ouais, les joueurs ne sont pas encore dans le. La touche, pas de solution pour le moment pour Frankowski. Il y a une grosse densité de joueurs. Ouais. Il n'y a pas trop de mouvement, les joueurs sont arrêtés. Tout à Medina, Frankowski, voilà, c'est bien sorti et ça permet à Cheikh Doucouré de donner un petit peu d'air au jeu et bien écarté. Voilà, le ballon est bien remonté avec Jonathan Claude, on est dans son exercice favori. Aïe. Le ballon pour Kalimundo, l'enchaînement, la frappe qui a été contrée. C'est dommage, il y avait un surnombre là-bas. En tous les cas, on a vu cette remontée de balle, ce changement de côté. Ouais, ouais. Et après, c'était splendide. C'est dommage, hein, Kalimundo qui n'a pas réussi à enchaîner avec assez de spontanéité. Je regarde le duel gagné face à Borac Yilmaz. Allez, pourquoi pas, c'est Toka face à Egerbic, le gardien croate, hein, me semble-t-il. Obligé de dégager rapidement. Soit toujours au pressing. Amildo. Botman un petit peu embarrassé. Il y a une main involontaire de Flo Sotoka sur son tacle. Ça fait sourire l'attaquant Lensois qui a eu les nerfs solides, hein, à Bordeaux pour marquer après voilà, la fin de match comme ça, minutes. Penalty, ouais, c'est pas évident. Hein. Lui qui était à la recherche, hein, d'un but depuis le.
le 3 mars dernier. C'était face à Saint-Etienne lors d'une victoire lensoise à Geoffroy Guichard. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Ça va lui faire du bien, Flo. Un élément essentiel dans l'effectif lensois. Oui, ouais, très important. C'est lui qui déclenche tout, il déclenche les pressings. Allez, c'est lui justement qui est en possession du ballon. Il va les provoquer, pouvoir décaler Klaus. Le centre en une touche, ce sera un corner suite à cette défense de Renildo. On parlait de Sotoka, hein. C'est lui qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Alors, on dirait que c'est plus son rôle qu'un Jonathan Grady. Mais en tous les cas, il est toujours présent dans les zones de danger. Allez, le corner a été joué. Doucouré, le centre, il y a du monde. Et notamment des Lensois au second poteau. C'était repoussé par la défense lilloise. Seko Fofana va pouvoir tranquillement transmettre ce ballon. Grady. La transversale, elle me paraît un petit peu longue. Non, finalement, elle est nickel pour Gal Kakuta. La remise de la tête. Jonathan Klaus, le crochet, le centre du gauche pour ce ballon qui finalement est repoussé. Attention à la contre-attaque lilloise. Voilà, on a retrouvé du rythme dans cette rencontre. Jonathan David. Ouais, de la part de Frankowski, bien défendu. Les Lillois qui se gênent un petit peu. Et voilà, il y a du duel. Attention, c'est rapidement joué. Facundo Medina et sa fioriture, comme on dit, est allé couper la trajectoire de ce ballon. Et on aime ça à Lens. Hein. Alors oui, on aime bien quand il y a des belles relances, quand il y a des belles phases de jeu. Et si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Exactement. Alors le ballon. Alors Didier, on va faire un petit ajustement technique parce qu'apparemment tu as un petit problème de micro. Et je vais donc assurer le commentaire seul pendant quelques instants. Ah, André. Fonté, André à nouveau. Voilà notre consultant du jour, Didier Sénac, qui est au chômage technique pendant quelques instants. Mais ça ne perturbe pas sa concentration. Et voilà, le pressing de Gal Kakuta qui a payé. Ça a obligé Garbic à dégager directement sur Jonathan Klaus. Jean-Louis Leca, lui aussi, vigilant. Allez, pourquoi pas le bon ballon là pour eux. Il y a peut-être une faute de Fonté. Monsieur Mio a l'air sûr de lui. Fait signe qu'il n'y a absolument rien. Arnaud Calimundo en tous les cas est tombé. J'ai l'impression, Didier. Je pense qu'il le touche, mais involontairement, je pense que c'est en courant. Mais bon, il peut siffler. Hein. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Jonathan David, la sortie de Jean-Louis Leca. Attention, ce ballon qui est toujours là. Et finalement, va sortir en corner. Jean-Louis Leca qui est furax. Il va prendre un carton. Et voilà, il a pris un carton. Parce qu'il était furax par rapport à la décision de Benoît Millot. Et en plus de ça, j'ai l'impression que Jean-Louis Leca souffre de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu au départ de cette action. Oui, il y avait bien hors-jeu. Alors non seulement on a laissé. Le problème, c'est qu'ils vont au bout de. Ils laissent, voilà. Quoi, c'est incroyable. Et donc du coup, on a mis le carton quand même. Il y a eu de la frustration. En tous les cas, on a vu la défense lensoise bien se replier parce que Jonathan David avait réussi à crocheter. Alors qu'on revoit, il y a un contact. Il y a un contact, même s'il est involontaire. Même si c'est involontaire, il y a contact quand même. Et là, il n'y a pas d'appel à la VAR. Alors, il y a des choses plus ou moins compréhensibles. Oh ouais, c'est... Mais voilà, c'était pas à l'avantage d'Arnaud Calimundo de se laisser tomber parce qu'il avait pris le dessus sur Fonté. Il était devant, bien sûr. Allez, un mot sur l'ambiance. Ça a baissé quand même en décibels. C'est vrai que ce qu'on a vu à la mi-temps, ça a un peu refroidi tout le monde. Ouais. Mais pour l'instant, ça tient. Et on espère que tout le monde sera sage jusqu'au bout de cette rencontre. Et aux alentours, bien entendu, après match, aux alentours de Bollard. Seko Fofana face à Celic. Celic qui allonge. Facundo Medina tranquillement de la tête vers Frankowski avec beaucoup de sérénité. Les Lensois
qui ont un peu plus d'espace, hein, j'ai l'impression, Didier, pour déployer le jeu. Je pense que les Lillois, ils vont commencer à piocher, comme on dit. Eh bien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Piocher physiquement, ouais. Ça veut dire que les Lensois pourraient prendre l'ascendant. Ils ont un match dans les jambes dans la semaine. Bon, ils ont une première mi-temps un petit peu compliquée. Ça va commencer à peser. Allez, c'est Litch pour la touche. La déviation d'André. Et le dégagement de Facundo Medina sur Fonte. La petite poussette dans le dos de Kakuta qui n'est pas signalée. Et Facundo qui gagne encore son duel face à Boa Quilmez. Allez, c'est Kofofana. Allez, attention. Ouais, bien joué Facundo, très présent. Le pied sur le ballon, Gael Kakuta. Frankowski, les Lillois qui demandent au Lensois de sortir le ballon. C'est ce que va faire Seko Fofana, pardon. Sur l'intervention en tous les cas de du FAC, comme on dit, Medina. J'ai l'impression qu'elle était plutôt propre. Il y a une petite torsion au niveau de la cheville. C'est mais, voilà, qui se tord la cheville. Ouais. Ouais. C'est plus parce que lui il va au contact. Ouais, c'est pas une faute de Medina. Le tac, il est propre de Medina en fait, il est comme ça, il n'est pas la semelle en avant. Et tu parlais d'une potentielle fatigue côté lillois. Justin Gouvrenet qui est l'entraîneur hein, en Ligue 1 a procédé à très peu de changements. Peut-être sera-t-il obligé. Cheka, Renildo, la relance dans l'axe qui arrive quand même jusqu'à Gomez. Ouais, la faute sur Seko Fofana, ça va donner un bon coup franc, plein axe. Et pourquoi pas les marquer encore un but de la tête. Hein. Les Lensois sont plutôt en réussite en ce début de saison. 3 buts marqués de la tête. Ganago ici. Et la semaine dernière à Bordeaux avec Gael Kakuta. C'est pas son exercice favori, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et Facundo Medina, lui, qui a plus l'habitude hein, de prendre l'avantage dans les airs. Et les Lillois qui ont marqué 3 fois la tête et les Lillois qui en ont, eux, dans le même temps, pris 3 également. Ouais. Est-ce un signe ? Eh bien, pourquoi pas. Sur ce ballon que va frapper Jonathan Klaus. Alors, c'est un peu compliqué hein, parce qu'il est plein axe, il n'est pas excentré. Ouais, attention au hors-jeu. Ouais, c'est un petit peu long. Regardez. Faut être très juste dans ces situations-là. Relance courte, Garbic. Botman. Changement de côté, la transversale jusqu'à Célie. Tu vois, le contrôle pas assuré. Et ça permet au Lensois et à Seko Fofana de récupérer le ballon au 18 mètres. La frappe, elle est contrée dans un premier temps. Elle manquait de puissance de toute façon. Et attention à la contre-attaque rapide avec ce duel. Jonathan Grady, droit Quilmez, gagné par le défenseur Lensois. Et malheureusement, derrière, voilà, on s'est pas ajusté techniquement de la part de Jean-Louis Leca pour cette relance. Alors qu'on va assister au premier changement à côté lillois. Avec l'entrée eh bien, d'un nom bien connu dans le football Weah, et désormais Timothée. Dans la politique, puisqu'il est président du Liberia, Timothée Weah, fils d'un joueur qui a fait rêver tout le monde, hein, George Weah. Ah, George, ouais. Un sacré client, passé par Monaco, par Paris, par le Milan PSG, AC. Ouais, Milan. Et donc, la sortie, c'est. Gomez hein, qui est sorti, me semble-t-il, ouais. À la place de Weah. Attention, ce centre au deuxième poteau, Boa Quilmez. Heureusement, il ne cadre pas sa reprise. On avait été un petit peu surpris, Didier, par ce centre au second poteau. On l'a oublié au second poteau, là. Je ne sais pas qui c'est qui est avec lui au départ. Ouais, c'est Jonathan Klaus. Ouais, heureusement qu'il ne croise pas sa tête. Hein. Ouais. Parce que souvent on dit qu'il faut essayer de remettre. Faut la mettre de là d'où elle vient. Et heureusement, c'est pas un tir cadré. Il s'en veut.
Je me demande d'ailleurs s'il y a eu un tir cadré de la part des Lillois, Didier. Je pense pas. J'ai pas ce souvenir là. Alors on n'a pas toutes les stats en direct. Ah, Medina, attention, on ne va pas perdre ce ballon là. Danseau, Doucouré, Grady, Klaus. Le contrôle se mêle. Le long 1-2. C'était un petit peu, compliqué. Il y a peut-être mieux à faire de la part de Cheikh Doucouré. Qui, on l'a dit tout à l'heure, a été suspendu lors des dernières rencontres. Alors il a joué quand même pendant cette longue trêve pour lui, puisqu'il a joué avec le Mali. Avec notamment un match face au Maroc. Selic, derrière lui, Fonté. Botman. Il connaît Renildo. Qui rentre à l'intérieur pour trouver Cheka. Et la bonne défense combinée de Seko Fofana et Jonathan Klaus qui permet au meilleur buteur lensois Seko Fofana de repartir vers l'avant. Capitaine qui transmet à Sotoka. Et désormais pour Frankowski, le centre un petit peu compliqué, un peu en bout de course. Ouais. De la part du Polonais. Alors que plusieurs lensois sont à l'échauffement. Choix West Saïd. Vers Machado, Ignatius Ganago. C'est entre la 60 et la 75e que Francaise aime faire ses changements. Il va peut-être changer ses deux attaquants. Du 109 pour aller apporter de la vitesse. Allez, Arno Kalimwendo qui a fait l'effort quand même. Ganago, Wesley Saïd peut-être pour Sotoka Kalimwendo. Ouais, de toute façon, c'est souvent les attaquants qu'on change en premier. Oula. Allez, Sotoka, ouais, c'est bien joué. Ça permet à Sotoka, il déclenche tout le temps le pressing. Alors Didier, 20 minutes de jeu dans cette seconde période. On va quand même suivre ce ballon dans la surface de Sotoka, bien pris par la défense lilloise. Et attention à la contre-attaque. C'est bien joué de la part de Joe Grady. La relance direct vers Frankowski qui va les provoquer. Frankowski complètement excentré, qui va sans doute se remettre sur son pied droit avant de déclencher un centre. C'est contré, c'est pas terminé pour les Lensois. Avec Doucouré derrière lui pour Facundo Medina. Attention, Bouakilmaz est à l'affût. Oh, c'est bien joué de la part de Frankowski, mais il a fallu trois Lillois pour reprendre le Polonais du Racing. Didier, j'allais te poser la question, un petit temps mort, ça va me permettre de poser la question. 20 minutes de jeu en seconde période. Le rythme, il y a du mal à reprendre quand même, mais on sent que les Lensois, il y a quelques possibilités quand même. Ça me rappelle un peu la première mi-temps. On a eu du mal à démarrer là, maintenant on s'est remis dans le match, ça y est, les deux équipes sont, on va dire que les joueurs sont chauds, ça y est, ils ont retrouvé un petit peu les sensations, les bonnes sensations. Mais il ne se passe pas grand-chose quand même. On reste un peu sur notre faim pour l'instant. On va dire la vérité, c'est pas un grand match de foot auquel on assiste aujourd'hui. On sent qu'il y a de la tension, attention, ce ballon de la surface de Lensois et le ballon qui finalement arrive dans les gants de Jean-Louis Lecas. Alléluia, j'ai envie de dire, parce que alors il a fait un super premier arrêt. Le ballon après, Jean-Louis l'a perdu de vue. On va revoir ça sur cette confrontation face à Iconé, me semble-t-il, à Weah dans un premier temps. Jean-Louis Lecas qui a pris un petit coup sur la tête au passage. Je pense qu'il a dû prendre, quand il va la chercher avec les mains, il a dû prendre des coups dans les mains, dans les gants, non ? Alors, on va revoir ça avec ce ballon dans la profondeur pour Jonathan David. Jonathan David qui va provoquer, qui transmet à Weah qui s'emmène bien le ballon. Le premier arrêt décisif, le deuxième et finalement le troisième. Il y a trois parades quasi. C'est ça, trois parades. Ouais. La première, sur Jean-Louis, il est très vite au sol, il est très tonique, il est très juteux. Et bien voilà, Jean-Louis Lecas qui a sauvé son équipe, lui qui aime rendre des copies propres, des clean sheets comme on dit. On voit la main ferme, pied gauche, ensuite face à Bouakilmaz. Et ensuite, il est allé avec tout son courage pour aller mettre les mains sur le ballon. Quand il y a des crampons qui traînent. Quand il y a des crampons qui traînent, ouais. Il faut oser y aller. Vous me direz, c'est son boulot et ça ne lui fait pas peur. En tous les cas, à notre ami Jean-Louis Lecas, quatrième saison ici au club. Et véritable taulier du vestiaire. Ouais, pas faute, hein, monsieur Mio.
pas crier au scandale, mais on aurait aimé que cette action se poursuive. Voilà, l'ambiance comme on la préfère, les tribunes qui se répondent. Ils chantent, ouais. J'espère pas, mais c'est un match qui sent le 0-0. Écoute, ce sera déjà un point de prix, j'ai envie de dire. C'est alors bien entendu, hein, quand on débute un match, on espère le gagner. Encore plus, on l'a dit tout à l'heure en présentation de cette rencontre, quand c'est un derby. Mais il faut parfois savoir se contenter. Et puis on en a eu la preuve il y a quelques instants, hein, parce que ça peut vite, vite tourner. Ça peut vite basculer, ouais. Botman. Ouais, vraiment, les défenseurs centraux lillois prennent vraiment leur temps lors des relances. Ah, c'est ça. Ils jouent en marchant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien joué là, de la part de Doucouré. Associé à Fosotoka pour aller empêcher Ikoné de transmettre un bon ballon. Jusqu'à Govanek qui donne des consignes à ses joueurs. Pas facile pour Jocelyn Gouvenec de passer après. Non, c'est pas évident. Après Galtier, après un titre, tu arrives avec tes idées, tu veux mettre des choses en place. Les joueurs, ils te disent nous on a été champion, on sait ce qu'on a à faire. Bon, c'est pas évident. C'est pas forcément le meilleur des cadeaux. De se faire accepter comme ça, alors qu'ils viennent d'être champions de France. Bon. Mais ils sont un peu mieux, ils ont fait un bon match en Champions League. Ce soir, ce qui monte, c'est cohérent, même si ça manque un petit peu d'intensité. Et ils arrivent dans tous les cas à maîtriser un peu plus défensivement, parce que début de championnat avait été compliqué de ce point de vue-là pour les Lillois. C'est ça. C'était le champion titre à prendre le plus de buts depuis Saint-Etienne en 64-65 sur les 5 premières journées. Ah ouais, quand même. C'est ouais. Que 11 buts encaissés, alors que ça faisait leur force l'année dernière. 23 buts encaissés sur toute une saison. Toute une saison. Quasi la moitié en 5 journées. C'est vrai que ça en a surpris plus d'un. Allez, espérons en tous les cas qu'il en est un 12e aujourd'hui. Ça voudrait dire que les Lensois ont trouvé la faille. Attention là, parce que c'est Ikoné qui est dans le camp Lensois, qui peut transmettre. Et le superbe retour de Fosotoka. Encore une fois, au tacle. Et il est déjà disponible pour trouver le ballon, hein, malheureusement. Ça, il va la récupérer. Il avait fait les efforts. Voilà. Fosotoka qui s'excuse auprès de ses coéquipiers parce qu'il avait fait un bel effort. Et c'est vrai que s'il arrive à trouver un coéquipier libre, il y avait une possibilité derrière. Allez, la sortie avec l'entrée de Wesley Saïd et la sortie d'Arnaud Kalimwendo. Donc le numéro 22 que porte sur son dos Wesley Saïd, lui qui a fait sa première apparition à Bordeaux et qui fête aujourd'hui sa première apparition à Bollard. On l'a vu bien en jambes à Bordeaux, il a montré qu'il avait du gaz. Oh, c'est un joueur qui a des qualités. Hein, c'est... Et pour avoir discuté avec un illustre ancien, Johan Demont, pour ne pas le nommer, tout à l'heure à la Guillette, il me disait j'ai regardé l'entraînement, c'est pas mal du tout. Mais non, c'est un bon joueur. Ouais. Après, il a eu beaucoup de pépins physiques, il est assez fragile, mais techniquement, tout ça, c'est très fort. Il a eu un gros pépin physique, hein, parce qu'il a eu une année blanche Une année Toulouse. Blanche quasiment à Toulouse, ouais. Et il joue au foot, tout simplement. Hein. Il s'était blessé au mois d'août 2020, donc il y a un an. Un an sans jouer, c'est... Avec qui plus est l'étiquette du plus gros transfert de l'histoire du TFC. Mais bon, c'est... On va dire une seconde chance que lui a donné le Racing. En signant pour 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il faut le gérer, il faut lui faire voilà, des rentrées comme ça à l'heure de jeu, une mi-temps, et puis quand il sera bien, voilà, on verra. Et c'est lui qui est en position du ballon, justement. Et il va pouvoir transmettre à Seko Fofana ce ballon qui s'échappe un petit peu. Malheureusement. Ouais, on est entré dans les 20 dernières minutes hein, de cette rencontre. Renildo, le long ballon, attention à bien négocier. Facundo Medina est présent.
C'est encore une fois bien joué, pas bien de sauter, parfois juste son corps en opposition. Un petit coup d'épaule ou le corps en opposition, ouais. Souvent, hein, on dit les Sud-Américains ont déjà le métier, ils ont ça en eux. Ouais, ils ont, voilà, ils sont bons là-dessus, ils ont le vice, ils ont. On l'oublie hein, souvent, mais Facundo Medina, qui n'a que 22 ans. Hein. Allez, Gael Kakuta pour ce ballon pour Frankowiak, le contre est favorable. Frankowiak, l'ouverture du score du Racing Club de Lens. Frankowiak, Frankowski qui est parti de la surface de réparation complètement excentré, bien lancé. Et par Gael Kakuta et le Racing qui mène un but à zéro. Faut pas qu'il y ait un envahissement de terrain. Prémisco Frankowski qui donne donc l'avantage. Excusez-moi, je me suis embolé, j'ai dit Frankowiak, mais voilà, c'est un Polonais. Et voilà, l'information importante, c'est que c'est bien lui qui marque le but de son numéro 29. Comme le Finistère, rien à voir avec ses origines, mais voilà, ça nous soulage, on attendait de voir un but, ça va peut-être un et petit peu décompter. Il le marque tout seul son but, parce que regarde, il est au contact, c'est lui qui va gagner le duel avec Fonte, voilà. Hop, le geste, hein, et voilà, ouais, tout l'avantage hein, bien, d'avoir un droitier côté gauche, c'est qu'il peut l'enrouler. Pour ceux qui n'ont pas les images, c'est une, on va dire une Thierry Henry, hein, lui qui est consultant pour Amazon aujourd'hui, qui est ici à Bollard, et qui trouve le petit filet. Comme quoi, opposé. Tu vois un droitier à gauche ça peut avoir du bon. Ouais, Fonte, il a une mauvaise intervention. En fait. Allez, ouais, et bien maintenant, ça sent bon. Mais il va y avoir encore beaucoup de temps. Allez, 75e. On va parler du potentiel 12e but encaissé par Lillois. Et bien voilà, c'est Frankowski qui l'a mis. Et ça va obliger les Lillois à sortir un petit peu là, plus. Ouais, ils sont obligés de sortir. Hein. Et le ballon. Et on va leur en mettre un deuxième. Sotoka. Sotoka qui a l'impression qu'il y a un petit peu moins de jeu quand même. Bah, il se donne beaucoup. Hein. Il court beaucoup. Attention, Yilmaz, il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, il y a peut-être une poussette là sur Danso. Ouais, mais l'arbitre assistant est à 3 mètres. Il a le droit de signaler également. Voilà, il y a du vice de Borac Yilmaz, il a fait ce qu'il fallait pour déséquilibrer Danso. Petit coup d'épaule, voilà, c'est ça. Allez, attention à ce corner. Frappé par Seca. Trajectoire sortante, il y a du monde dans la surface et ça a été prolongé. Et Jonathan Clauss qui fait une longue course là pour éviter toute passe facile de la part iconée. La touche, rapidement jouée. Ben, les Lillois voilà, vont se montrer de plus en plus entreprenants. Hein. Eux qui jouaient tranquillement à leur rythme. Eh bien, vont devoir se livrer un petit peu plus. Ouais, ils vont être obligés de sortir. Ouais. Et nous, maintenant, ben, voilà, on va temporiser un petit peu plus. Et puis on va les contrer, on va leur en mettre un deuxième. Allez, why not. La bonne déviation, Sotoka, Gael Kakuta, le crochet, attention à ne pas perdre ses ballons Gael. Alors, on prépare deux changements, trois changements d'un coup côté de Gourvenec. On dit qu'il était un peu radin, on va dire ça, en changement, il va en faire trop d'un coup. Attention, Wesley Saïd. On va revenir à la faute. Wesley Saïd fautif sur le Mozambiquais Renildo. Alors voilà les changements. Alors plusieurs changements avec la sortie d'Ikoné et l'entrée de Yazissé. Onana, je crois, le 24. Ouais, Onana, milieu de terrain. Ancien joueur de la Gantoise. Ah, la passe de Sheka et Renildo également qui était averti et l'entrée de Goodmanson. Il a zitché pour son premier ballon qui va frapper ce
ce coup franc. Ouais. Et bien voilà. C'est mal frappé. Il fallait peut-être mieux s'échauffer. On dirait c'est pas évident à frapper dans un ballon quand on rentre en cours de jeu comme ça. Et tant mieux, on va pas se plaindre. Pas en réussite sur ce coup-là. Ça soulage tout le monde. Et bizarrement, Didier, on va regarder de plus en plus souvent le chrono. Il va rester. Allez, une quinzaine de minutes, on va dire. Attention, chèque de courrier. Allez, Jean-Louis, éloignez-nous, tout ça, c'est fait. Et West Side qui va aller pousser un petit peu. Le ballon qui revient vite, attention, pas de faute de Facundo. Attention, se sent en rentrée. Le bon retour et bon placement en tous les cas de chèque de courrier. La lutte entre Botman, Egal Kakuta, Yazidche, la mauvaise passe. Allez, West Said. Allez, il y a un 4 contre 3 à jouer. West Said qui va aller provoquer. West Said qui va complètement décaler la frappe. Oh oui, le but ! West Said ! 2-0 pour le Racing Club de Lens qui prend la maîtrise totale de cette rencontre sur cette frappe complètement manquée de Flo Sotoka qui se transforme en passe décisive. Et en une touche de balle, West Said qui est allé tromper Garbage. Le Racing qui fait le break. Le Racing qui mène 2-0. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un hors-jeu. On s'est peut-être emballé. On va voir la VAR. J'ai quelques doutes quand même. Il va voir. Et en tous les cas, la vidéo va nous permettre eh bien, de voir si oui ou non il a but. Allez, on le voit à l'image. On espère qu'il se soit trompé. Le suspense. Alors nous, on n'a pas les images. Hein. Voilà, Benoît Millot qui met la main sur son oreillette pour signifier qu'il écoute. Ouais, il y aura bien hors-jeu. Donc ce but est refusé. 1-0. Il va falloir bien patienter avant de faire le break. J'espère qu'on ne s'est pas emballé pour rien. L'avantage est néanmoins lensois puisque Frankowski a permis au Racing de mener 1-0. Ah, c'est Gal Kakuta qui est sur la trajectoire du ballon. Oh, c'est sévère quand même, non? Il fait pas action. Enfin, si, peut-être qu'il gêne le gardien, je sais pas. Mais bon. Attention, ce ballon, Didier. Ouais, parce que le jeu a repris. Mais, alors, il est dans l'axe de la frappe, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de mouvement ou quoi que ce soit de Gal Kakuta. Qu'il soit là ou pas, je crois que le gardien, il est battu. Hein. Allez, il va falloir patienter. Pourquoi pas sur ce long ballon pour Joe Klaus qui s'emmène ce ballon dans la surface de réparation, le crochet, Joe Klaus, c'est malheureusement passé enroulé ce ballon, Garbic ne l'a pas touché, il est allé au bout de son effort, quelle course encore une fois de Jonathan Klaus, un arrière latéral, piston qui se retrouve aux avant-postes, et voilà, et il va en plus faire de ça l'effort pour revenir derrière. Alors on va être tendu jusqu'au bout, hein, Didier. Ouais, il reste 10 minutes. Et on va encore avoir des opportunités. C'est certain. Et en plus, quand on voit les disponibilités de CCI, il est un l'entrant. On sent qu'il est. Ouais, il fait du bien, il a des jambes, il a du gaz. Oula. Ouais, il a failli s'en mêler les pinceaux. Botman, là, et ben voilà, là, ça y est. C'était, il fallait juste patienter un peu plus. Voilà, la charge là de Onana. Bah, bien entendu, monsieur Millot, vous avez pour le coup la bonne décision. Gal Kakuta. Bon, déjà, il était monté sur le paletot. Et ouais, et Onana qui était là avec un peu trop de véhémence sur. Sur Gal Kakuta, ça va donner un coup franc. Et bien entendu, on va prendre un petit peu de temps pour le jouer. Allez, ça va être frappé directement par Joe Klaus. C'est frappé au premier poteau, malheureusement. C'est repoussé momentanément. Allez, Gal Kakuta qui va pouvoir centrer du pied droit au second poteau. Ce sera trop long et trop. Tout simplement trop imprécis, puisque ça sort directement en ligne de touche. Allez, West Side là, qui fait l'effort défensif. Jonathan David. Voilà. Manson. Oh là, il y a eu un choc. Il y a eu un choc entre
C'est Timothée Weah, me semble-t-il, et Flo Sotoka. Ah, il y a eu de l'engagement. Les deux, ils sont allés de bon cœur. Bon, j'ai l'impression que ça valait pour les deux. Il y a eu de l'engagement en tous les cas. Ah ouais, mais c'est Flo Sotoka qui touche le ballon en premier. Touche le ballon en premier, ouais. C'est vrai, il n'y a pas de croix. Je pense qu'il n'y a rien de méchant. Ouais. Voilà, c'est un coup, c'était plus spectaculaire qu'autre chose. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait de l'engagement de part et d'autre. Mais bon, la faute est lilloise parce que ben voilà, Flo Sotoka avait touché le ballon en premier. Avant, ouais. Allez, on va procéder à un changement en quelques instants avec l'entrée de Dever Machado et de Yannick Cahuzac. Défensif pour maintenir ce score, cet avantage, parce qu'il nous fait plaisir à regarder ce tableau d'affichage. Un but à zéro pour le LOSC, non, pour le Racing Club de Lens. Attention, ce centre au deuxième poteau est accompagné, prolongé par Jean-Louis Leca et Frankowski. Voilà, un long ballon. Et attention, tous les acteurs du jeu, à part le portier lillois, sont dans le camp lensois. Yazice pour Selic. La bonne défense. Ouais, c'est très bien défendu de la part de Frankowski, qui ne s'est pas livré, n'a pas commis de faute. Il est resté debout. Encore un gros match de Frankowski. C'est pas le plus spectaculaire des joueurs. Non, mais bon, c'est lui qui marque encore. Et bon, les deux, là, Klos et Frankowski dans les couloirs, il faut se les farcir. Hein. Ça y va. Regardez. On parlait, Didier, tout à l'heure, on parlait de la polyvalence de Frankowski. L'entrée de Machado qui va passer. Il va passer à droite, à gauche, et Machado à gauche. Ouais, voilà. La sortie également de Gaël Kakuta, titulaire lors des 6 premières rencontres. Et l'entrée de Yannick Cahuzac, voilà, pour stabiliser un peu le milieu de terrain. Avec. Me semble-t-il, Cheikh Doucouré en sentinelle, en triangle, inversé, on va voir ça. J'ai envie de dire que la tactique, c'est secondaire, même si, j'imagine que Yannick Cahuzac a reçu des consignes de la part de Francaise. Ça y est, Sotoka. Frankowski. Voilà, c'est intelligent, on ne s'est pas débarrassé du ballon. Grady, bien joué de la part de Medina aussi, qui s'est. Montré disponible. Allez, Machado qui lui aussi a des jambes. Machado sur le côté et malheureusement pas cette jambe pour prendre à défaut à Selic. Attention, Yilmaz face à Adanso et le duel remporté par l'international autrichien. Irréprochable. Danso, c'est solide, c'est costaud, c'est puissant. Attention, ce centre de Fonté. Attention, pas de mauvaise blague. C'est un Lillois qui a mis ce ballon en sortie de but, en sur une touche. Ouais. Et par contre, il y a du monde au sol parce que tout simplement, il y a eu du duel aérien. Ouf. Ouais, Frankowski qui prend un coup de coude et Grady encore. Le combattant, le soldat Jonathan Grady. Allez, ça se tape dans les mains. Allez, reprendre ses esprits tout de suite et être encore vigilant et concentré jusqu'au bout. On va noter qu'il n'y a plus d'échauffourée pendant cette seconde période. Non, ça s'est calmé, c'est bien. Et c'est tant mieux. André Fonté. Oh, Sotoka qui n'était pas loin, qui a laissé traîner le pied sur Botman. Sotoka qui va recevoir un petit carton. Il n'est pas sous le coup d'une suspension. Il y a seulement Facundo Medina qui risque d'être suspendu en cas de nouveau carton jaune aujourd'hui.
Ouais, on a vu. Faute évidente de Flo Sotoka qui est allé s'essuyer un peu les crampons sur le défenseur néerlandais. Après il y a une gestion aussi, alors même s'il ne faut pas trop gérer, parce que là il y a un match à gagner et on pensera à Strasbourg à la fin de cette rencontre, mais il y a un match à venir dès mercredi ici à domicile. Et on imagine hein, revoir un Ganago notamment qui sera frais pour le coup. Ah, bien joué encore Facundo Medina. Oh, Machado qui s'en sort bien, c'était osé. Machado qui continue. Allez, maintenant, il faut peut-être lâcher le ballon. Et proprement, monsieur, avec Cheikh Doucouré, c'est très bien joué. On a vu des gestes techniques aux abords de la surface lensoise. Ouais, faute là, par contre, de Goodmanson. Ouais, ouais, on a vu le coude sur Flo Sotoka. Allez, on va être... On va essayer de regarder combien de temps... Monsieur Mio a décidé de donner en plus. Okay. Ah, il y aura 3-4 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, mais il y a eu des changements. Des changements, ouais. Okay. Doucouré, Grady, le contrôle est bon. Allez, par-dessus pour son pote, Flo Sotoka. Allez, il faut se parler. Attention, ce ballon, Yannick Cahuzac. Et heureusement, il est bien pris. En plus, on a le contre. Ouais, ça en est fallu peu quand même. Yannick Cahuzac. Il a bien senti. Ouais. Notre ami Jean-Louis Leca. Jean-Louis, il a bien senti. Ouais. Hein, une bonne lecture du jeu sur ce coup-là. Elle a touché l'ansoise, par contre. Elle a bien été comptée par Yilmaz. C'est dommage parce que ça rend le ballon lillois. Et voilà, quand on arrive dans le Money Time, ce sont des possessions importantes. Aïe. Voilà la Botman. Oh, Botman, il est lourd, je le trouve lourd, emprunté. Dès qu'il est pressé, il est fou. Oh là, il... 3 minutes. Allez, 3 minutes, on va déclencher notre chrono. Et on va décompter les secondes. Allez, Goodmanson. Allez, Danso qui s'impose. Flo Sotoka qui a. Oui, okay. Il y en a plein de chaussettes, on l'a vu. Je pense que Franquès l'a vu. J'ai néanmoins l'impression qu'il n'y aura pas de nouveaux changements. Attention, Danso, ce ballon. Allez, Jean-Louis. Bien joué, Jean-Louis. Qui calme tout le monde. Super intervention, je la voyais partir en corner. Et... Allez, on aimerait être plus vieux de 2 minutes. Ouais. Ah, la faute de West et Saïd. Allez, est-ce que c'est la fin de cette pénurie de résultats du Racing de ces 15 ans d'attente? Alors, entre-temps, il y a eu une petite victoire en Coupe de la Ligue. Mais bon, ce n'était pas du championnat. C'était en 2007 avec et c'était à Amiens en plus, donc ça n'a pas la même saveur lors de la saison 2007-2008 avec un but de Pironi. Attention, le dernier corner sans doute pour les Lillois sur ce contre. C'est Yazice qui va aller le frapper. Allez, vigilance, tous les Lensois sont dans la surface de réparation. Gerbic a demandé à son coach s'il pouvait j'y vais ou quoi monter. Il a dit reste là. Yazic s'est frappé. Allez, c'est repoussé par Frankowski. Selic pour son gardien dans le rond central. Allez, il faut aller le presser. C'est Seko Fofana qui le fait. Et voilà, ce ballon est gagné. Allez, Lensois, voilà, qui avait le choix d'essayer de jouer rapidement. Et pourquoi pas, mais non. On va se calmer. 1-0, on prend, on signe des deux mains. Ouais, c'est quasiment fini. Là. Je ne sais pas combien il reste, mais... Il reste 30 secondes. Et les Lensois qui, si le score en reste là, eh bien ont 7 points d'avance sur le LOSC.
Tu t'installes dans les 3 premiers, dans les 4 premiers, là, non, avec cette victoire. Ouais, alors il y aura des matchs à jouer ce week-end. Ouais, il y a une faute, bien joué, Seko Fofana. Voilà, le Racing qui totalisera 12 points et qui sera, à l'issue de cette rencontre, deuxième du championnat, dauphin du Paris Saint-Germain. En ayant joué le LOSC, en ayant joué Monaco, en ayant joué Rennes. C'est les cadors de ce championnat. Hein. C'est vrai. Il y a eu un Lillois averti, vu qui c'était, c'est pas bien grave. On est, voilà, le temps additionnel est terminé. C'est sans doute le dernier coup franc pour les Lensois qui mène 1-0. Et j'imagine que l'ébullition à l'intérieur de cet homme, elle doit être énorme. Parce que il aura réussi son coup, lui qui avait encore à travers de la gorge les deux revers cinglants de la saison dernière. Et Monsieur Millau qui va libérer tout le monde. Le Racing, maître du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts-de-France. Bravo Monsieur Hesse, bravo Messieurs les Lensois, bravo Monsieur Frankowski. Vous avez permis à tout un peuple de se réjouir suite à cette victoire 1-0. J'ai cité le nom de Frankowski tout simplement parce que c'est lui qui a délivré les Lensois à la 75e minute dans un match particulier, pas un très beau match de foot, mais voilà, c'était important de gagner ce match Didier. Mais on est resté fidèle à ce qu'on fait, il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup d'envie, le souci toujours d'aller de l'avant, et puis on a été récompensé en fin de match, donc voilà, c'est un résultat mérité, une victoire méritée. Un match, on savait qu'il allait y avoir la tension, il y en a eu pendant la mi-temps, sur le terrain ça s'est bien déroulé finalement. Ouais, tout à fait. On disait pas un grand match de foot avec un rythme un petit peu particulier pendant... même pendant la première mi-temps, pendant la seconde également, mais ce qu'on retiendra... C'était un derby, les équipes se craignaient, donc voilà, tout le monde était un peu craintif, personne n'osait un petit peu se livrer, et puis voilà, ça s'est un petit peu... ça a éclaté un peu en fin de match, mais voilà, c'est comme ça. Ce qu'on retiendra, voilà, c'est les sourires de Yannick Cahuzac qui tombe dans les bras de Facundo Medina, les sourires de Fosse Toka, tout un groupe, on parlait d'un collectif, c'est les images qu'on voit actuellement, et je peux vous assurer qu'elles font plaisir à voir. Voilà, 15 ans que le Racing n'avait pas connu cette joie de remporter un derby, et ben voilà, c'est chose faite. Les gamins qui sont en 3e désormais pourront dire, ben moi j'ai vu le Racing gagner. On a trop attendu, il a fallu être patient, et voilà, tous les signaux étaient au vert avant cette rencontre, mais il fallait confirmer sur le terrain. Confirmer, ils l'ont fait, donc chapeau à eux. Voilà. Didier, un grand merci. Non, bah merci à toi. T'es un peu, c'est au plaisir. Hein. Le porte-bonheur, mais finalement, il y a beaucoup de porte-bonheur. Première victoire des Lensois à domicile cette saison. Ils ont attendu, ils ont bien attendu, que ce soit lors de ce derby. Cette victoire 1-0, on va dire victoire méritée, même si le LOSC a eu quelques opportunités. Ouais, mais bon. On n'a pas tremblé quand même. Allez, c'est plus les événements extérieurs qui nous ont fait trembler un petit peu, on va dire ça. Ouais, voilà, en espérant que tout le monde puisse rentrer chez soi. J'espère que la sortie va bien se passer. Bon, mais... Voilà, on est content, on est heureux. Les 100 et or peuvent faire la fête. On voit, bravo à tout le staff, hein, on voit l'image Lilian Alice. Ouais. Mais ils sont nombreux hein, dans ce staff, les analystes vidéo, tout le service médical, les intendants et tous les salariés du Racing Club Lens qui poussent ces joueurs. Qui poussent, bien sûr. Voilà, c'est... Oui, c'est un collectif, oui, ce sont des joueurs qui se battent sur un terrain, mais c'est tout un club. C'est tout un club, il ne faut pas oublier les gens qui sont autour du club et qui bossent aussi pour ça, donc voilà. Voilà, et les supporters qui ont poussé les Lensois à obtenir cette victoire lensoise dans ce 113e derby. On va se quitter là-dessus avec le rappel du résultat, parce qu'il fait plaisir à entendre. 1-0 pour le Racing Club de Lens face au LOSC, but de Frankowski. À la 75e minute. Merci à Cédric Barré qui était à la réalisation de cette retransmission RC Live. Vous êtes de plus en plus nombreux et continuez à nous suivre. Ça nous fait plaisir. Merci Didier, ça nous a fait plaisir. Merci à toi, au plaisir, à bientôt. Et à très bientôt, tous les sujets, les résumés sur les différents réseaux du Racing Club de Lens. À très bientôt, victoire lilloise. Non, lensoise, ça change. Allez, salut à tous.